On va faire du point. Alors ça prend longtemps aujourd'hui à lancer une game. Mais ça rince de ouf. Ça fait 2-3 games que je fais, c'est entre 130 et au maximum ce que j'ai fait, je crois que c'est 170. Un chiffre du genre par game. Les games durent à peu près entre 20 et 30 minutes. J'aime bien. Ouais, du coup, je me suis dit que ce week-end, je me ferai un peu de Dead by Daylight. Histoire de monter mes tueurs, fallait que je termine mon... comment il s'appelle là, le PH, la Pyramid Head. Et que je booste un peu mon pig. Je me suis mis en tête que j'allais jouer pig. Donc voilà, je le fais. Je fais mes points avec mon démo, c'est le tueur que je maîtrise le mieux maintenant. En ce moment, le Démogorgon. Je mets mes points ailleurs. Ok. Donc, je vais essayer de décrire un petit peu ce que je fais. Pendant le gameplay, l'idée c'est pour moi de revoir déjà dans un premier temps ces vidéos, voir les erreurs que j'ai commises et je sais pas, pour donner le goût quoi. Donc là j'ai vu des marques, donc les survivants ont commencé là, ils sont moins 2 vu la progression du truc. Il y a Steve là-haut, je vais mettre un coup. Alors comme si j'avais pas vu survivant, bon à droite, à gauche, c'est là, c'est Steve. Non, je pense qu'il est tout seul. Je vais commencer à charger le shred, s'il prend la window, je le prends là. Ouh, ok. D'habitude ça touche, j'imagine que je l'ai fait un peu trop tard. Je vais faire semblant, mais genre volontairement, boum. D'aller comme ça, là il va prendre la fenêtre, je le connais. Touché. J'ai appliqué Sloppy Butcher. Ce qui est pas mal. Je vais le faire tourner dans ce sens-là. Voilà, s'il drop. Ah, je savais bien qu'ils étaient deux. Ok, donc là on va mettre la pression. S'il prend la fenêtre, j'ai un coup gratos. Je le prends. Merci. Elle est restée. Elle est restée, où est-ce qu'elle est? À droite. Donc là je le feinte. What the fuck? Ok. Si tu veux. Pas de problème. C'est la Rape Cave ici? Oui. Waouh. Donc là, très bon start. J'ai blessé Steve, que s'il veut se soigner, ça va y prendre du temps de ouf à cause de la perque, le cochon là. Qu'est-ce que me dit mon barbecue? Ça bosse les gènes, il y en a un qui vient sauver. Steve qui s'approchait de lui, je pense que le gène là-bas il est bientôt fini. Je vais faire style pas avoir vu le mec qui avançait dans cette direction. Mais je vais quand même me retourner au dernier moment. Ah, il est encore là. J'ai entendu Steve. Salut Steve. Ouh, Steve est pas ouf. Steve ne regarde pas derrière lui. Bon, il a été sauvé. Je crois que ça ressemblait à un Bill ou à un David. La forme du skin de la personne. On verra bien. Ah, ils sont en train de se healer. Alors moi ça c'est mon kiff. Je vais y retourner rien que pour activer les deux portails. Leur portail j'utilise pas trop. Parce que généralement c'est grillé. Ok, il a décidé de rester lui. Droite. Ah, un Bill, c'est bien ça, c'était un Bill. Ok, elle est bientôt bloquée la fenêtre, je crois que c'est la dernière fois qu'il la vault. Oh, pas mauvais! C'est un 3-6 comme on les aime. Ouais, il y a un challenge en ce moment. Il est à droite, voilà, je l'ai eu. Ah non, je fais très attention au son. J'arrive à entendre les bruits de pas des mecs quand ils courent. Soit à gauche ou à droite. Donc ça me permet de ne plus les perdre une fois que je me fais blind. Oh, il a dead hard. Ok, donc maintenant qu'il est baissé, à droite. Deux gènes. J'ai hook 3 personnes, 2 gènes. Je suis pas mal, mais je suis pas bien. Les deux premiers gènes, généralement, faut pas s'en faire en tueur. Il pop assez vite. Ah, ils sont proches. Où est-ce qu'il est ce truc? Il était là il y a un instant, je rêve pas? Bon, d'accord. Je vais mettre un portail, mais juste pour qu'il se fasse clean ce plus tard. Paratata. Ok, donc il y a bien un mec ici. Merde, elle m'a bouffé des stacks. Il regarde un peu derrière lui quand même, hein. Je vais la hook. Je voulais mettre un peu de pression. Je vais
je vais la hook. C'est Bill qui avait la flashlight, donc il sera peut-être amené à revenir. Non. Ok, il est parti, il est là-bas, Bill. Mais Steve est encore dans le coin. Hein. Voilà, Steve est encore là. C'est bien, ça met pareil, une fois de plus. Je vais faire des stacks. Est-ce que je peux la retomber, celle-là? Là, j'ai une palette. Je vais faire semblant de la suivre, mais c'est Steve que je veux. Ouais, c'est Steve. Parce qu'elle a peut-être DS, en fait. Hein? Attends, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a dû prendre la fenêtre. Là, il me ramène vers ses potes. Il y a Bill qui est blessé. Ah, c'était trop tard. Voilà, un petit moonwalk, comme ça il a cru que j'allais dans un sens et je suis allé dans l'autre. Et bon, on va aller vers Bill. Je vais pas mettre de coup au jeune, parce que j'ai envie de profiter du fait qu'il soit blessé. Ok, il a raté son skill check, il y a Bill qui est là-bas. Je vais aller faire chier les derniers qui est là. Ouh, c'est son dernier hook. Là, je fais semblant d'aller dans ce sens-là. Il a dû se mettre dans un locker. Ou il est en bas. En tous les cas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il faut qu'il meure. Ah non, il m'a contourné. Popopo, qui est Steve? Lui, je reprends juste un stack de... mon skill qui est à gauche, là. Meg. Ah, c'est mon obsession. Donc elle va me consommer. Voilà. Donc en faisant ça, je consomme pas de stack de ma perque. Je m'en rappelle jamais comment elle s'appelle. C'est. Save the best for last. Perque à gauche. Qui me permet d'avoir des réductions de CD sur mes auto-attaques. Y'a personne autour. Barbecue, il montre personne. Donc ils doivent être dans le coin. Donc je sais que Steve et. Ouais, ils sont tous là en fait. Ah oui, d'accord, c'est elle. Oui, donc lui il doit avoir DS. Pas de problème, je comprends. Papapapaya. Voilà, c'est bien, t'es content. Putain, mais si. Ok, t'es content de m'avoir stun. Ok, donc là j'ai l'impression que Billy est là. Nea est là. Très beau skin d'ailleurs, c'est dommage que ce soit un légendaire. Et j'hésite à le pick up parce que si je le pick. Ouais, je vais plutôt la talocher et forcer Bill à venir. D'autant qu'elle est pas très bonne. Voilà, là je lui dis techniquement va te Bill. Ok, on va risquer le DS, tant pis, c'est pas grave. Je crois qu'il est mort là. Steve. C'est son dernier hook. Je suis pas sûr encore. Merde, je pensais. Non, c'est pas son dernier hook. Ok, donc là-bas on a un mec qui est encore mon obsession. Bill, on l'a vu. Je fais semblant d'aller dans ce sens-là, donc là il va volt. Oh là là, fait chier. Où est Bill? Il était là. Ah, il était là. Oh, je l'ai loupé. Je l'ai perdu. Ouais, il est parti là-bas. Je vais mettre la pression. Moi je veux Bill. Voilà, il est dans ce tile-là. On a vu le corbeau. Donc tant pis. Vas-y, drop la palette. T'en as envie. Ok, il me donne la palette. Tant mieux, il avait pas trop le choix. À moins qu'il ait un dead hard. Ok, il a eu un fast vault là-dessus. Bien joué, Bill. 2. Ouais, je vais choper Bill. Et 3. C'est terminé. Maintenant, il va utiliser son dead hard. Dead hard, vas-y. Et je le pick up. Et on y va. Et c'est parfait. Du coup, Meg a été relevé. Je suis à 4 stacks, logiquement c'est. Vas-y, ose faire ça! Non? Ok, très bien. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il voulait se suicider. Donc là j'ai. Plusieurs choix. C'est soit je pick up, soit je cherche la Meg qui est vraiment pas loin. Je crois que. Je vais plutôt terminer la game maintenant. Hein? Ah là, je suis là évidemment. Bon, je vais mettre un truc ici. Mais où est Meg? Ok,
Meg, il a dû partir. Ah, il a dû partir. Par contre, le fait que. Il a ici, je sais pas s'il l'a vu, je vais voir si. Elle est dans l'un de ses lockers, oui ou non? Non. J'espère qu'elle est pas autour. Bon, elle est toujours pas là. On prolonge la game ou pas? Allez, on prolonge la game. Il va sans doute venir sauver ce mec-là. Je vais regarder derrière moi pendant que je le pick up. Donc non, il a pas l'air de vouloir. Il va les laisser crever. Non, il l'a sauvé, il était vraiment là. Bon, la game est prolongée. C'est pas si grave. C'est Bill? Ouais, c'est Bill. On a entendu des corbeaux. Il y a les corbeaux quelque part là. Il est là. Au secours! Donc ouais, quand on est inactif pendant un certain temps, elle va se faire sauver. On a des corbeaux. En particulier quand on reste dans un locker et il y a le corbeau, on peut le voir. On peut le voir dans le locker. Enfin, au-dessus du locker. Qu'est-ce qu'on fait? On va Bill? Ouais, Bill. Bill, il m'a mis quelques flashlights, c'est lui qui va payer. Mauvais choix, Bill. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la Rep Cave. Et tout de suite après, je vais me diriger vers la latch, de manière à pouvoir la fermer. Et il nous restera plus que Nea à buter. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Bah du coup, je vais pas aller à la... Je vais pas faire... Ah, il est devant une porte. Pas de problème. Donc je pense qu'il va attendre que je ferme la hatch. De toute façon, il sait que je sais, parce qu'il est passé par là, il m'a vu à ce moment-là. Ferme la hatch. Voilà, et du coup, il doit être là-bas. Donc je vais regarder s'il y a des scratch marks qui vont vers la gauche et la droite, du coup. Et s'il n'y a pas, c'est qu'il est encore dans le coin. Il est là. Là, basiquement, c'est gagné. Salut. Alors ça arrive, il y a des survivants des fois qui, pendant qu'on met une auto-attaque en tueur, et si elle touche, ils peuvent rentrer dans notre hitbox en fait, ils rentrent dans notre corps. Ça, c'est une technique qui a été trouvée notamment sur les fenêtres. Quand on vault une fenêtre pendant un court instant, je sais pas à quel moment, au moment où on pose le premier P ou le deuxième, peu importe, on peut se mettre dans la hitbox du tueur et après repasser la fenêtre alors qu'il est en train de recover du truc. Voilà, ça s'appelle la window tech. Là, il m'a fait la même chose, il est rentré dans mon corps, c'est pour ça que je fais, putain, il n'y a pas de marque à gauche, je pars à droite, je baisse la tête, il est en moi, donc voilà, c'est une sorte de petit glitch. Et voilà, donc on a gagné quelques points. Je vais uploader cette game sur YouTube, voilà, pendant la prochaine game. Et puis je vais continuer comme ça à faire quelques points. Alors attends. Et j'ai... Ouf, deux pipes, ok. Pipe et moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Oh, 214 000 oh. Ouais, c'est violent. 214 000.